demander. Laisser des acteurs noirs avoir du travail, ça devrait pas être un débat politique, ça devrait être une banalité. Non, et puis, on a que 4 acteurs principaux qui ne sont pas blancs dans cette série. Bof. Pourquoi tu n'as pas juste contourné la barrière, crétin? Et on a beau le répéter encore et encore, dans quelques mois, vous allez refaire la même connerie pour une autre franchise qui ose prendre des acteurs qui ne sont pas des hommes blancs hétéro cis. Et la suivante, et la suivante, et la suivante. Et vous continuerez à vous trigger vous-même pour du vent. Parce que maintenant, vous n'existez que pour vous plaindre de wokisme. C'est trop important de ne pas laisser ces discours de haine déguisés en arguments de geek se répandre sans opposition aux remises en question. Ayez un peu d'amour propre et arrêtez de vous enfoncer dans l'abysse infini de la recherche de buzz en abusant de termes que vous comprenez pas comme woke, LGW, qui ne veulent plus rien dire parce que vous n'avez aucun talent d'analyse médiatique ou de création pour proposer quelque chose de vraiment intéressant. Parce que si vous continuez, vous étonnez pas qu'on en conclue que vous êtes raciste. Vous en foutez de cette série. Vous voulez juste vous plaindre que les noirs sont de plus en plus égaux aux blancs et conserver votre fantasme d'un monde entièrement blanc. Tu comprends pas qu'on en a marre de ta gueule? Vous ne faites qu'empêcher toute réelle discussion sur la qualité du truc. Si ton avis c'est nul parce que c'est woke, et bien ton avis est sans intérêt. On peut pas débattre avec toi. Rentre chez ta mère et laisse les adultes parler des vraies qualités d'un truc.